direct du AT&T Park à San Francisco, le Réseau des sports vous présente le concours des coups de circuit dans le cadre du match des étoiles. Alors, c'était à la scène il y a environ une heure lors de la pratique au bâton. Les joueurs qui se préparaient pour le concours des circuits, on aperçoit Prince Fielder, Albert Pujols et quelques-uns des participants qu'on va voir ce soir à l'œuvre lors du concours des coups de circuit. Bonsoir, mesdames et messieurs. Denis Cazavant accompagné de Roger Brulotte. Bonsoir, Roger. Salut, Denis. Alors, toujours très intéressant, le concours des coups de circuit. Il y a un petit cachet particulier cette année. Le stade, le AT&T Park à San Francisco, en raison de McCovey's Cove, la baie derrière la clôture au champ droit. La petite clôture au champ droit et la baie derrière. Il y a tellement de bagues qui vont frapper. Alors, c'est intéressant de voir. Un duel de frappeurs droitiers avec puissance, mais beaucoup de gauchers aussi avec puissance. Alors, ça promet. Et quel site touristique incroyable. Tu es assis dans le quartier chinois, bien tranquille. La balle est frappée loin. McCovey's Cove, bien dur là-bas. Alors, si on regardait les règlements pour le concours des coups de circuit, encore une fois cette année, au premier tour, on a évidemment 8 participants. Les 4 meilleurs accèdent au deuxième tour. Les joueurs ont droit à 10 retraits chacun. Et lorsqu'une balle est frappée à l'intérieur du terrain ou une fausse balle, c'est tout simplement un retrait. Au deuxième tour, les joueurs conservent les circuits qu'ils ont frappés lors du premier tour. On ajoute ceux du deuxième tour et les 2 meilleurs accèdent à la finale. Donc, c'est le total des 2 premières rondes qui passent en finale. Et lorsqu'on arrive en grande finale au troisième tour, les joueurs recommencent à zéro, aucun circuit en banque et le joueur qui en frappe le plus remporte le concours et c'est toujours 10 retraits. Alors voici donc les 8 participants pour le concours des circuits ce soir avec d'abord Ryan Howard, le champion en titre. Howard veut répéter son exploit. L'année dernière, deuxième moitié saison fantastique, d'ailleurs fait devenir le joueur par excellence de Ligue nationale. Veut remporter le championnat pour une deuxième année, lui il va la petite clôture au champ droit, ça devrait le favoriser. Et c'est intéressant le fait qu'on a invité Ryan Howard pour défendre son titre parce que Ryan Howard n'est pas du match des étoiles. Non. Alors lui ne joue pas demain lors du match des étoiles, mais il est là comme champion en titre âgé de 27 ans. 21 circuits cette saison. Il est quatrième dans la Ligue nationale pour des coups de circuit et 67 points produits pour le frappeur gaucher. On poursuit maintenant avec notre deuxième participant, sa première participation, Prince Fielder. Prince Fielder tente d'imiter son père pour la puissance. Son père est allé jouer au Japon, a découvert le sushi là-bas. Son fils en a profité. La puissance incroyable, joueur recru qui peut surprendre tout le monde. Et lui aussi comme frappeur gaucher. Son tour de taille est là et surtout sa puissance. Âgé de 23 ans seulement, Prince Fielder. 284 cette saison, 29 circuits. Le meneur de la Ligue nationale avec les circuits et également 70 points produits pour le Petit Prince. Si on poursuivait maintenant avec... Ouais, Petit Prince. Albert. Le Petit Prince suivi du Prince Albert de Monaco. Le Prince Albert de Monaco, écoutez bien, frappeur de balle en flèche. Intéressant de voir s'il va avoir du succès. Deuxième participation pour lui. Mais par contre, le champ gauche, puis c'est frappeur de balle en flèche, peut-être sera pas aussi favorisé. Alors, Albert Pujols, comme Roger Massena était là en 2003, avait frappé un total de 26 circuits lors du concours des coups de circuit en 2003 à Chicago. U.S. Cellular Field. 27 ans, Albert Pujols, 16 circuits, 52 points produits depuis le début de la saison. Il est 5e dans la nationale pour les buts sur balle. Alors, notre quatrième participant maintenant, deuxième fois qu'il participe au concours des circuits, Vladimir Guerrero, qui avait frappé Roger seulement 2 circuits à sa première présence. Alors, j'ai l'impression qu'il va vouloir en faire beaucoup plus ce soir. Vladimir! Oh! La puissance, elle, et la force de Vladimir, c'est qu'il frappe la balle à tous les champs. Alors, la petite clôture au champ droit peut l'aider aussi sur les mauvais élans pour réussir justement le coup de circuit. Ouais, c'est un bon point que tu soulèves, Roger. On pourrait voir Vladimir frapper des circuits au champ opposé. Peut frapper la balle à tous les champs. Et comme je le soulignais tantôt, avec un peu plus d'expérience maintenant, deuxième fois qu'il va participer à ce concours des circuits, ne sera pas intimidé là, comme lorsque c'était sa première participation. Âgé de 31 ans, Vladimir Guerrero, 14 circuits et 75 points produits. Alors voilà pour les 4 premiers participants. Et maintenant, on se dirige au AT&T Park à San Francisco pour la présentation des joueurs. Voici d'abord Justin Morneau des Twins du Minnesota. Et il porte numéro 33, non pas pour Larry Walker, pour Patrick Roy. A toujours aimé Patrick Roy comme athlète. Where am I going, our time? John, right on the way. Alors,
Alors, lui, il a été ajouté à la dernière seconde, Matt Holliday, étant donné une blessure à Miguel Cabrera hier, Cabrera des Marlins. Alors, aujourd'hui, on a demandé à Matt Holliday des Rockies du Colorado de le remplacer. Has 70 ribbies, 13 homers at the break. His 367 batting average is the best in the major leagues. Right fielder, Maglio Ordóñez. Et dans le cas de Maglio, ma surprise, c'est qu'il a des concours de coups de circuit. Sa moyenne est là, meilleure moyenne. Est... Donc, on peut voir les notes. Il y a 2G dans son nom, parce que son père, il dit, va être chanceux avec 2G, et ça porte des fruits. 16 home runs at the break. He's hit 40 or more the last 4 years. The only man in history to start his career with 30 or more home runs his first 6 seasons. MVP 2 years ago, Albert Winnie the Pujols. Oh, Albert Pujols. Incroyable quand tu regardes sa fiche. 6 saisons d'affilée avec au moins 30 coups de circuit. Fait penser à Mike Bossy, que c'est 52. C'est 6 premières, c'est bon. The Toronto Blue Jays, a nice young outfielder. His second straight year is an all-star. He has 17 home runs at the break. Welcome Alex Rios. Alex Rios, le représentant des Blue Jays au match des étoiles, était là également l'an dernier. Et là, c'est sa première participation au concours des circuits. Adding six, you know this name from long ball lore of the past. But now you're certainly getting to know him. 29 home runs at the break, the most in the National League. The first baseman from the surprising Milwaukee Brewers, Prince Fielder. Fielder, comme tu viens de dire, l'équipe surprise, l'équipe de Denis Casavant, les Brewers de Milwaukee en tête. Première combinaison, père et fils. Los Angeles Angels. Beard slugger in the outfielder. He's an all-star for the 8th time. MVP of the league in 2004. 14 homers at the break. Vladimir Guerrero. Vladimir, 8e participation au match des étoiles. Up, if you will. Back to defend his State Farm home run derby crown that he earned last year in Pittsburgh. He has 21 homers at the break. The first baseman of the Philadelphia Phillies, Ryan Howard. Et notre champion en titre, celui qui a remporté la compétition l'an dernier, avait donné tout un spectacle l'an dernier. 8 en première ronde, 10 en demi-finale. Il avait gagné la finale 5-4 face à David Wright. Alors 23 au total l'an dernier pour Ryan Howard. Le gant magique, ça, ce gant-là, il est spectaculaire. Comme stade, quand tu regardes ça autour, là, les gens arrivent seulement à traverser, s'en vont de l'autre côté à Sausalito, arrivent là-bas au stade, soit en voiture, en métro. Moi, c'est incroyable comme stade. You know what? First of all, I feel a little underdressed for this introduction. Chris Berman, qu'on aperçoit avec la casquette des Giants de San Francisco. Because you can't introduce this next man for whom the cove is named, can you? He became a San Francisco Giant in 1959 when he was Rookie of the Year. 10 years later, he was the MVP of the National League in 1969. His 18 Grand Slams, still the National League record. He didn't stop until he hit 521 home runs. To watch him in batting practice, a thrill in itself. To watch him launch homers in games, something else. One of the most feared sluggers ever. Hall of Famer, please say hello to Stretch Willie McCovey. Willie McCovey, c'est pour ça qu'on a baptisé l'endroit derrière le champ droit. Lorsque la balle tombe à l'eau, on dit McCovey's Cove. Alors, justement, pour honorer Willie McCovey, 521 circuits en carrière avec les Giants. Je m'excuse, Zenny, des frissons. J'ai vu McCovey à l'œuvre au Parc Jarry. Il y a le McCovey Cove dans le champ droit, mais au Parc Jarry de la piscine. Ouais. Willie Stargell et lui ont frappé tellement de balles dans la piscine derrière les cours de tennis maintenant. Willie Stretch, sa dernière présence au bâton. Tout comme Ted Williams, un coup de circuit. To help Willie give bats to the 8 participants representing the over 17,000 State Farm agents is Ross Lopez. Special Willie McCovey bats, which will mean a lot to these 8. Et on a des bâtons édition spéciale de Willie McCovey qu'on va remettre aux 8 participants du concours des circuits. Parce qu'on sait que, comme à chaque année, les 8 joueurs sont jumelés à une personne qui peut remporter le bon joueur, celui qui remporte le concours. Au cours des dernières années, c'était
C'est les gens de State Farm. Maison et oui, on remportait une maison avec Century 21. Maintenant, c'est la compagnie State Farm qui commandite le concours des circuits. Et là, on remet le bâton édition spéciale de Willie McCovey aux 8 joueurs au niveau du terrain. Et tout un joueur, McCovey, stretch au premier but, le grand écart. Mais c'est un beau souvenir là, pour les 8 participants. Oui. Un bâton de Willie McCovey, le numéro 44. On a vu son numéro retiré par les Giants de San Francisco. Working with me today on the set in front of the third base dugout, I want you to say hello to a couple of your own. He grew up here and of course became an MVP player with the Cincinnati Reds at second base. He became a Hall of Famer, but once upon a time in 1982, I believe he hit a pretty big home run for the San Francisco Giants. Say hello to Joe Morgan. Joe Morgan, qui sera analyste pour le concours des circuits le long du réseau ESPN ce soir. Originaire d'Oakland. With us today. He grew up down the road in Sacramento, had a wonderful career in the majors with the Braves and with the Dodgers. But here in San Francisco, he made his mark in the dugout. He won 103 games. He got a team to the World Series. He won division titles. 10 years he was your manager, Dusty Baker. Un des gérants les plus populaires à San Francisco, Dusty Baker, qui... Il faut l'avouer, depuis son départ, finalement, ça n'a pas été... Ça marche pas bien, le même rendement du côté des Giants de San Francisco. Also working with us here, the intrepid one. Who else would be out in McCovey Cove in a kayak other than our man, Agent 13, Kenny Mayne. Ahoy, mate! How are you, Chris? It's going well so far. The wind kicked up, pushed me over to et the on a également Kenny Mayne, qui est un des journalistes à ESPN. On l'a envoyé dans un kayak au champ droit. Il va tenter, lui, de récupérer des balles. Alors, il n'est pas le seul, toutefois, comme on a pu le voir. J'espère qu'il est bien attaché. Avec la caméra sur son casque, et le voilà. Alors, derrière la clôture du champ droit, mais il y aura beaucoup de compétition pour les circuits. Et pendant les matchs réguliers en saison, les gens sont là pour attendre des coups de circuit. Là, Scott Barnes va être là pour atteindre la marque. Incroyable. La B, c'est une B, ça va être des canaux kayak. We'll get them signed by the big leaguers and auction them off or something good. Alors, c'est pour ça qu'on mentionnait tantôt que c'est vraiment spécial cette année. C'est un stade, dans le fond, c'est un stade idéal pour avoir ce genre de compétition. Lorsqu'on a comme le Fenway Park à Boston, lorsqu'on a eu le concours des circuits au Fenway Park et on doit frapper la balle par-dessus le monstre vert, ce soir, la balle va se retrouver souvent dans la droite, dans la baie, dans McCovey's Cove. All right, Kenny, thank you very much. Only you, Agent 13. Remember the alors, dans quelques instants, on sera prêt pour amorcer cette compétition des coups de circuit. Alors, on vous avait présenté les quatre premiers, Howard, Fielder, Pujols et Vladimir. On poursuit maintenant avec le Canadien Justin Morneau. Première participation, joueur par excellence dans l'Américaine en 2006. Comme on suit par la présentation, numéro 33 pour qui? Patrick Roy. La puissance est là. Et ça va l'aider. La petite clôture au champ droit, ça va le favoriser. Moi, je pense que ça va être un frappeur gaucher qui va remporter ce concours-là. Après, on vous a dit qu'un frappeur gaucher, préparez-vous les droitiers. 24 circuits pour Justin Morneau cette saison. Deuxième dans l'Américaine derrière Alex Rodriguez qui en a 30. Maglio Ordóñez, maintenant des Tigers de Détroit. Dans le cas de Maglio Ordóñez, Roger soulignait tantôt, frappeur qui connaît une très bonne saison avec la moyenne au bâton. Pour ce qui est de la puissance, c'est pas le meilleur frappeur de circuit chez les Tigers. Sheffield connaît une très bonne saison, mais il y a quand même la puissance est là dans le cas de Maglio Ordóñez avec 13 circuits. Dans le cas d'Ordóñez, comme tu soulignes bien, sa moyenne au bâton est là, non pas sa puissance. Mais dans un concours de même, c'est un gars qui fait contact peut réussir la longue balle. Alors, une première participation pour Maglio Ordóñez, lancé des White Sox de Chicago. 367 de moyenne cette saison, 13 circuits, 70 points produits. Il domine l'Américaine pour la moyenne au bâton. Le septième des 8 participants maintenant remplace Miguel Cabrera, qui a dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Alors, c'est Holiday qui va prendre sa place. Évolue dans un stade qui favorise les frappeurs de puissance. Holiday qui, cette saison, totalise 15 circuits avec Colorado. Et le fait, comme je souligne, c'est bien qu'il joue à Denver, la balle voyage très bien là-bas. Ça l'a aidé beaucoup pour cette puissance-là.
Alors, première participation également pour Matt Holliday, âgé de 27 ans, 341 de moyenne, 15 circuits, 69 points produits, connaît une excellente saison avec les Rockies. Et notre huitième et dernier participant au concours des coups de circuit des Blue Jays de Toronto, c'est Alex Rios. Également sa première participation. Rios qui, au cours des deux dernières saisons, est vraiment devenu le joueur qu'on anticipait, Roger, chez les Blue Jays de Toronto. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parlait de chez les Blue Jays, un jeune joueur qui va transporter cette équipe-là, c'était lui. Premier choix des Blue Jays en 99, ils ne sont pas trompés. Regardez, allez, la puissance est là. Il est capable de frapper la longue balle le long de la ligne du champ gauche aussi. Peut-être candidat à suivre, justement, dans cette participation au concours des coups de circuit. Alex Rios avec 17 circuits cette saison, 26 ans seulement. Il est septième pour les circuits dans l'américaine, 294 de moyenne et 53 points produits pour Alex Rios des Blue Jays. Alors, les joueurs se préparent. Évidemment, c'est toujours... tous les joueurs qui sont là pour le match des étoiles sont très intéressés à le déroulement de cette soirée. Alors, encore une fois, les règlements, comme on le soulignait tantôt, 10 retraits par joueur. Les quatre premiers avancent en deuxième ronde. En deuxième ronde, donc, les deux meilleurs vont avancer. C'est le total des deux premières rondes qui permet aux deux meilleurs d'avancer en finale. Et en finale, on recommence à zéro. Chaque joueur a 10 retraits et le plus grand nombre de circuits en finale est déclaré champion du concours des coups de circuit. L'an dernier, c'était Ryan Howard. En 2005, Bobby Abreu avait remporté la compétition. Abreu qui en avait mis plein la vue avec 24 circuits dès la première ronde du concours des circuits. D'ailleurs, il y en a un qui peut faire gagner trois fois le concours des coups de circuit. C'est quoi? Es-tu prêt? C'est le lanceur pour les Phillies. C'est sa troisième participation, Anderson, justement pour être là, lui. Alors, Morneau, Holliday, Ordóñez, Pujols, Rios, Fielder, Guerrero et Howard. Ce sera dans l'ordre qu'on va voir les participants ce soir. Justin Morneau, donc, sera le premier. On a trois gauchers. Morneau, Fielder et Ryan Howard sont les gauchers. Moi, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de frappeurs gauchers, étant donné justement la clôture au champ droit. Alors, voilà donc le premier participant, Justin Morneau. Les Twins du Minnesota de New Westminster en Colombie-Britannique. Stern? Alors, c'est jamais facile d'être le premier. C'est Ron Gardenier, son gérant, qui effectue les lancers. Alors, il ne peut pas qu'il y ait lui après. Et là, c'est un premier retrait pour Justin Morneau. Cette monde, j'écoute bien chez Expo, c'est Philippe Allou qui lance la pratique au bâton. Chez les Twins, c'est la même chose. Les équipes à petit budget, le gérant gère et bilan. Il est entraîneur instructeur au troisième, comme dans les mineurs. Oui, ça va pas. Je pense que Justin Morneau a oublié qu'il y avait un micro. De New Westminster en Colombie-Britannique, Justin Morneau, 6 pieds 4, 223 livres. Il est âgé de 26 ans. Et là, c'est bien frappé. Est-ce que c'est un premier circuit pour Justin Morneau dans la droite? Oui. Voilà. Alors, un premier pour Morneau. Voilà un quatrième retrait. Alors, un circuit, quatre retraits. Son circuit à 427 pieds du marbre. C'est une fausse balle. Fausse balle, mais c'est assez loin. C'est dans l'eau. Oubliez ça. Sauf que c'est un retrait parce que c'était une fausse balle. Au champ opposé, mais ça, c'est un faible ballon pour Justin Morneau. Alors, un circuit, six retraits. Si vous voyez l'heure derrière, là, oui, c'est bel et bien 17h20, ouais. Mais il y a 3 heures de différence, là. En flèche, non, non, contre la clôture. On va bien sur l'affaire. On vient de l'entendre. I have to get hot. Bien frappé. Oui! Deuxième circuit pour Justin Morneau. 7 retraits. Et c'est des balles neuves chaque tir.
Là, il s'est frappé à coup de circuit. C'est 17 000 $ là. Il va frapper en flèche au champ centre. Circuit. Troisième circuit pour Justin Morneau. Et ça, c'était en flèche au champ centre. Circuit pour Justin Morneau. Voilà la balle spéciale, la gold ball, oui. Que mentionnait Roger. C'est 17 000 $ par circuit et là, il s'en veut du bout du bâton. Un ballon chanson. Alors, quatre circuits, mais c'est quand même jusqu'à la piste d'avertissement. Alors, comme on se souvient, Roger, jamais facile d'être le premier. Non, mais c'est toi qui as toute la pression. Non, c'est pas facile. Alors, quatre circuits pour Justin Morneau des Twins du Minnesota. Ce qu'on a pu voir, la balle frappée. Encore une fois, la petite clôture au champ droit aide beaucoup les frappeurs gauchers. La balle frappée au champ posé, gaucher, pas grand chance. Le long de la ligne, sa balle traînait plus de puissance et sa balle frappée en flèche hors ligne. Là, on a vu des balles frappées en flèche. Des balles frappées en flèche juste l'autre bord de la clôture. La réaction des joueurs. Alors, quatre circuits pour Justin Morneau. I'll just sit here. 409 pieds, sa moyenne sur ces quatre circuits, sont plus longs 430. Alors maintenant, ce sera Matt Holliday. Matt Holliday des Rockies Colorado sera le deuxième participant, le premier de la Ligue nationale. De retour dans quelques instants au AT&T Park à San Francisco. Enfin, la série Bush de NASCAR fera vibrer ses moteurs à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve les 3 et 4 août prochains. Participez sur rds.ca au concours Le Grand Weekend Dodge NASCAR. Courez la chance de gagner l'une des 25 paires de billets pour assister aux courses. Il y a aussi le Grand Prix. Deux passes VIP pour assister au week-end NASCAR Napa Pièce d'Auto 200. Comprenant l'hébergement et la location de 2 ans de ce super Dodge Ram. Et je me ferai le plaisir de vous remettre les clés en personne. Venez me voir courir durant le Napa Pièce d'Auto 200. Notre nouvelle cuisine. Wow! Et oui, les armoires qu'on a remplacées de type Montana avec porte-à-vitre clair. Le comptoir noir, 93% quartz, 7% résine et... La céramique murale, tellement facile d'entretien. Et voilà! Vous changez vos électros? Économisez 10% sur les grandes marques comme GE et Maytag. Home Depot, c'est beau. On ne devient pas un grand champion de NASCAR du jour au lendemain. Il faut d'abord faire ses classes. La série Bush NASCAR, les grandes vedettes à la petite école. À présent, notre monde sera transformé. Mon Dieu. Transformers, le film. Maintenant, l'affiche dans les cinémas. Moi, j'aime ma job. Cet été, ça va chauffer avec Budweiser. Visite lecampbud.ca pour tout savoir du camp et découvrir comment obtenir ta place. Parce que dans le fin fond des bois, tout peut arriver. 19 ans et plus, aucun achat requis. Détails sur campbud.ca. Campbud, un week-end d'enfer. Y a-tu quelqu'un qui a vu Simon? À vous la bosse. Faudrait laver la caravane. C'est parti. Le rabais prix employé est de retour. Quand vous achetez ou louez un nouveau véhicule Chrysler Jeep Dodge sélectionné, vous obtenez un rabais prix employé et une carte d'essence qui vous fera économiser 20 sous le litre pendant un an. Seulement pendant l'événement rabais prix employé. Bonds en discussion avec Alex Rodriguez. Match des étoiles, demain soir, on va voir justement Barry Bonds, vulture de gauche dans la formation partante. A-Rod sera au troisième but demain soir pour la Ligue américaine.
Samedi, le football Bolsonex des Alouettes à RDS. Affrontement entre les Alouettes et les Tiger Cats de Hamilton. Les deux équipes qui recherchent une première victoire cette saison. Ils cherchent. Alors, en direct du stade Iverwin, accompagné de David Arsenault et Pierre Varcheval. Question pour toi. Samedi à 19h. Es-tu déçu ou surpris du début de saison des Alouettes? Un petit peu surpris, mais de notre côté, Roger, on savait qu'avec les changements à l'attaque, ce sera peut-être, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et il faut dire que les deux équipes qui ont battu les Alouettes vont bien aussi. On a vu Saskatchewan gagner hier. Oui. Deux victoires, aucune défaite pour les Riders. Et Winnipeg a une victoire et un match nul. Alors, ils ont perdu contre de bonnes équipes. Mais je pense que l'Ouest, ça ressemble un petit peu à l'Américaine et la Ligue nationale au baseball. L'Ouest dans la Ligue canadienne semble beaucoup plus forte jusqu'ici que l'Est. Ouais. Ryan Howard. Alors, le champion en titre, Ryan Howard, dernier en première ronde. Les meneurs en ont cinq, Vladimir, Holiday et Alex Rios. Lui, lanceur de la pratique au bâton, troisième participation avec les Phillies. Premier élan de Ryan Howard. Un retrait, ballon chanceux. Denis, je vais te surprendre avec mon commentaire. Ça fait trois balles que je vais faire. Je suis d'accord qu'on utilise des jeunes au champ extérieur et qu'ils peuvent les jouer. Mais des jeunes qui savent jouer au baseball. Tout à l'heure, il y a une jeune fille qui a fait atteint la tête. Il y a deux garçons que la balle est tombée juste à côté d'eux autres. Ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. C'est des balles frappées des majeurs. T'as des enfants entre 8, 10, 12 et 11 et 12 ans, s'il vous plaît. Là. Déjà trois retraits pour Ryan Howard. Là, c'est bien frappé dans la ligne droite. Est-ce que c'est assez loin? Non. 400. C'est 421. C'est l'endroit le plus loin du stade. Et là, Ryan Howard enlève sa casquette. Oh. Cinq retraits, aucun circuit. Oh! All right, here we go. L'erreur que j'ai faite, je l'ai pris pour gagner. Oh, heads up. 6. Ryan Howard avec 58 circuits l'an dernier, en a 21 cette année. 103 circuits en 336 matchs dans les majeures. Rien qui fonctionne. This ain't happening right now. Verlander, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ancien des Tigers, David Ortiz. Les lanceurs qui sont bien assis, comme d'habitude, Roger. Oui. 7 retraits. Aucun circuit. Est-ce qu'il sera blanchi, le champion en titre? Au champ centre? Non. Please go. Y'a-tu des petits... Oh, excuse! On était sûr qu'il n'était pas l'autre bord, celle-là. Un premier maintenant pour Ryan Howard. On allait de droite. Non. 8 retraits. Seulement un circuit. Bien frappé dans la droite. Deuxième circuit pour Ryan Howard. En flèche, est-ce qu'il sera passé haut? Non. Neuvième retrait, alors deux circuits, 9 retraits pour Ryan Howard. Ça vient en prendre 3, là. Ouais. Est-ce que oui ou non? C'est loin. Facilement. Tu mets, regarde les gars, tu le frappes au. Tu as 421 pieds du mat, là encore loin. Un autre 14 000 17 000 pour les œuvres de charité. Trois circuits, 9 retraits pour Ryan Howard. 4, il pourrait
rejoindre Morneau et Pujols, mais ce ne sera pas le cas. I got it. Alors, 3 circuits pour Ryan Howard, le champion en titre, est détrôné. Bonsoir, il est parti. Alors là, ce sera Morneau et Pujols. On va avoir compétition entre Morneau et Pujols pour déterminer qui va accéder en deuxième ronde. Alors, je te mentionnais, Roger, que ça change toujours. Hein? It was tough to see. Ça a encore changé. Well, Ryan Howard a frappé des balles à 421 pieds du mât, c'est pas un coup de circuit. C'est en avant, regarde ça. Là, le whoop, c'est hanche, bouche, c'est hanche, bouche, c'est hanche. Va chercher la balle loin d'avant, laisse tomber son épaule. Lui va dire, je te laisse San Francisco, fais un beau voyage, je ne fais pas grand-chose. Ouais, parce qu'il n'est pas lui du match des étoiles demain. Alors, voici comment ça fonctionne maintenant. 5 élans, plus grand nombre de circuits, passe en deuxième ronde. C'est Morneau en premier, Pujols en deuxième. 5 élans seulement. Point. Un 5 swing playoff. On commence avec Morneau. Quatre circuits pour Morneau en première ronde, sont plus longs 430 pieds. Quand on parle du swing, est-ce qu'on va inviter Glenn Miller avec son orchestre pour le swing? Ron Gardner, encore une fois, qui revient lui pour effectuer des tirs à Justin Morneau, le gérant des Twins. Parce que si on procédait comme par les années passées, le plus grand nombre de circuits jusqu'ici en saison régulière, Morneau en a 24 et Pujols en a 16. Alors Morneau aurait dû avancer en deuxième ronde selon les anciens règlements. Bon, les change à chaque année. C'est ça. Alors, 5 élans, plus grand nombre de circuits avance en deuxième ronde. Premier élan de Morneau. Très haut, mais ce sera contre la clôture. C'était quand même frappé assez loin. Oui. Deuxième retrait. Encore une fois, tu jeunes. Ouais, je te dis que c'est dangereux, pas, Denis. Ouais. C'est dangereux. Tu mets pas des jeunes là. Non, je ne rappelle pas, ça ne donne rien. Mais moi, dès qu'un enfant va être blessé, on va se poser des questions. Deux retraits, aucun circuit. Flèche dans la droite, passé haut. Troisième retrait. Three swings, got two left. Si tu regardes la différence, et avec raison. Au champ droit, la clôture est moins loin, mais le mur est plus haut. Alors, seulement un élan pour Justin Morneau. Alors, on ne peut pas frapper plus qu'un circuit, finalement, Roger. Ah, tu as raison, c'est 5 élans. Voilà. Alors, ce sera assez loin. Et ce sera un circuit pour Justin Morneau. Sur la plateforme, où sont les photographes? Il y en a qui ont été attrapés par la balle. Alors, un circuit pour Pujols, on a besoin de deux. On vous rappelle, c'est 5 élans seulement. Et j'aime bien la réaction de Morneau. Tu penses pas que Pujols va être blanchi? Ouais. La balle qui donne contre la plateforme, où sont les photographes? Torrey Hunter, c'est bon, au moins t'as pas été blanchi. Son coéquipier Torrey Hunter. Alors, on a besoin de deux circuits. On vous rappelle qu'il y a seulement, les joueurs ont seulement 5 élans dans cette. Alors, Pujols, qui en a frappé 4 lui aussi en première ronde. 5 élans, deux circuits pour avancer en deuxième ronde. Et rejoindre Vladimir Guerrero, Matt Holliday et Alex Rios. Dave McKay, encore une fois, qui va effectuer des tirs. Là, lui, il fait signe. Regarde passer le tir. Là.
Coors est patient, attend son lancer. Ce qu'on veut, c'est des tirs vraiment à l'intérieur. Intérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est trop difficile, il n'y a pas assez de vélocité sur le tir. Oh! Loin dans la gauche! Il l'a eu à l'intérieur! Il l'a eu! Alors, un autre circuit et Pools avance en deuxième ronde. Il a déjà égalé Justin Morneau. Loin dans la gauche! Et... réussi! Alors, Albert Pools passe en deuxième ronde, élimine Justin Morneau. Nos participants, Denis. Vladimir Guerrero, Matt Holliday, Albert Pujols et Alex Rios avancent en demi-finale. Alors Pujols qui l'a frappé loin, là. Wow! Il y avait de la distance là-dessus, Roger. Alors, je te mentionnais, Denis, que le frappeur gaucher était prêt à être favorisé dans un concours de coup de circuit. Ouais, on a d'accord? Quatre droitiers. Alors, des droitiers. Pujols droitier. Vlad droitier. Ah, je lâche. What was the pressure like, Albert, in a swing-off? It's pretty tough. First of all, I'm just blessed that I'm advanced to the second round because having Howard, you know, and Prince, and Vlad, you know, those are pretty three tough hitters right there to advance. But, you know, hopefully I didn't do a great job, you know, that first time up. But hopefully right now in the second round I can do a better job for the fans. I mean, these fans deserve it. What's your strategy here in round two? Just tough condition, you know. I mean, it's tough to see the ball right now. I think it's just relaxing. I was more relaxed right there. You know, and just try to get two good pitches to hit. I told my batting practice, Dave McKay, he threw me during the year. I'm like, hey, just like the season, batting practice, let's go get it. So I'm just glad that I'm in the second round. All right, we'll see you round two. Over. Voilà pour les commentaires d'Albert Pujols. Il dit simplement relaxer un petit peu en deuxième ronde. Il dit, ça m'a aidé vraiment. Il dit, j'espère faire mieux en deuxième ronde. Alors voici nos cinq qui avancent, nos quatre, pardon, qui avancent en deuxième ronde. Matt Holliday des Rockies, Alex Rios des Blue Jays, Vladimir Guerrero des Angels, Albert Pujols des Cards, les quatre participants en demi-finale. Alors, de retour dans quelques instants pour regarder le concours des circuits en direct du AT&T Park à San Francisco. D'une ère nouvelle. Gatorade Rain. Un torrent de fraîcheur quand les éléments se déchaînent. Plus frais que nature. Gatorade Rain. C'est comme ça que je faisais du feu il y a 1000 ans. Là, si vous voulez survivre dans la nature, c'est important que vous maîtrisiez cette technique-là. Oh, excuse. Lâche pas. Pour de l'énergie rechargeable partout où vous en avez besoin, choisissez le PowerPack Sound avec haut-parleur intégré ou le PowerPack Solar pour une plus longue autonomie. Tous deux sont idéaux pour vos appareils électroniques favoris. Les solutions énergétiques commencent chez Canadian Tire. Ça nous donne du feu. C'est ça. Comparons le Land Rover LR3 et le Santa Fe de Hyundai. Le Santa Fe a battu le Land Rover sur l'accélération de 0 à 100 et sur le quart de mille. Il a aussi battu le Land Rover sur asphalte sec et mouillé lors des slaloms et lors des tests d'évitement. Mais le Land Rover a battu le Santa Fe sur le nombre de portes vertes. On ne peut pas tout gagner. Le Santa Fe de Hyundai, 22 000 $ de moins que le Land Rover et quelques portes vertes de moins. Hyundai dépasse vos attentes. La zone vidéo du RDS.ca. Une section excitante qui vous permet de visionner les meilleurs extraits vidéo de la journée. En un seul clic, revoyez les faits saillants de vos alouettes, du tennis, du baseball ou même de sport amateur. La zone vidéo du RDS.ca vous donne aussi accès à des conférences de presse et aux chroniques et analyses de nos experts. Durant la période estivale, laissez-vous tenter par les milliers de clips disponibles. Sportifs à vos claviers, entrez dans la zone vidéo du RDS.ca. Une présentation de Bell. Ah!
Mais là, regarde-moi pas de même, il y avait juste ça. Quand on loue ou on achète un film, c'est plate de pas avoir le choix. Heureusement, votre super club Vidéotron offre toujours une grande variété de nouveautés en location à 2 pour 8,99 ou 3 pour 11,99. Choisissez parmi Le Franc-Tireur, Ma fille, mon ange, Tireur d'élite et plusieurs autres. Le super club Vidéotron, des tonnes de copies. À surveiller sur nos ondes la série Bush samedi à 14h en direct de Chicago. Ce sera l'épreuve USG Duroc 300. Alors, ça, c'est sur nos ondes samedi à 15h en direct de Chicago. C'est un titre, ça. Qu'est-ce que t'as gagné, USG Duroc? Are you Duroc, bro? Duroc. On est prêt maintenant pour le début de la deuxième ronde à San Francisco. Le concours des coups de circuit avec Matt Holliday qui en a frappé 5. Alex Rios des Blue Jays, également 5 circuits en première ronde. Vladimir Guerrero avec l'aide d'un bâton de David Ortiz en a frappé 5. Et c'est Albert là qu'il m'a frappé. A battu Justin Morneau. Et avance en deuxième ronde. Alors, est-ce qu'on aura un peu plus d'action en deuxième ronde, Roger? Parce que ça a été quand c'est même décevant. Ça a été décevant. Ce qui me fait plaisir. Là, on voit quelques légendes. Parce qu'à chaque année, dans le cadre du match des étoiles, il y a un match de softball des légendes. Alors, on a vu des gars comme Matt Williams, Robbie Thompson, les anciens joueurs des Giants, Kenny Mayne, d'ESPN. Alors, on a des acteurs, des personnalités et des anciens joueurs qui s'amusent avec un petit match de softball. I'm not giving up. I have to use the restroom. With all that water out there? They have food. No, I'm trying to follow some rules around here with decorum. I'm going to shift to left field. We got all right-handers left, don't we? Yep. I'm going to bring my mitt in. Let's give up on this project. Let's get some baseball. Well, I'll tell you what. Ouais, les partisans un petit peu déçus parce que là, il y a seulement 4 frappeurs droitiers pour la demi-finale. The numbers in the first round. On reprend avec Matt Holliday des Rockies. A été impressionnant, Roger Holliday, en première ronde. Peut-être le plus impressionnant. Constant. Il est parti, il a commencé très fort. Bonne séquence après ça. Oubliez ça. Alors, demi-finale. Matt Holliday des Rockies. Et là, on vous rappelle que les circuits qu'on frappe en deuxième ronde s'ajoutent au total de la première ronde. Oui. Dans la gauche, c'est assez loin, alors ça en fait 6 maintenant pour Holliday. Quand tu fais le concours de coup de circuit, Denis, souvent on regarde les joueurs et là on tente de retrousser la balle, mais c'est pas ton élan naturel. Et c'est assez loin. Oui. Oui. Alors, ça en fait 7 maintenant. 2 dans cette deuxième ronde. Et là, Il est parti. Là. À son élan, là. Alors, 3 pour Holliday, un total de 8 jusqu'ici. Le champ opposé. Non, contre la clôture. Jusqu'à présent, Denis, aucun frappeur n'a réussi 3 coups de circuit d'affilée. Oh. En fait 9 pour Holliday. Frappe des balles avec puissance. Il a frappé 5 dans la première ronde. Il est rendu à 4 dans cette ronde. Et là, voilà un retrait, fausse balle. Alors, 4 retraits, 9 circuits au total. Willie McCovey qui regarde ce concours des circuits. Il
Holiday qui est avec les Rockies cette saison. On a 15 cette fois. Oh! Sixième circuit pour Holiday. Cinquième dans cette deuxième ronde. Il est parti, lui-là. Seulement quatre retraits. Wow! Oh, il est en vacances. Il était en vacances, Holiday, mais il profite de la longue balle. On met de la pression sur Vladimir, Pujols et Rios. Encore une fois, après d'atteindre trois coups de circuit d'affilée. La piste d'avertissement contre la clôture. Alors, cinq retraits, 11 circuits au total jusqu'ici pour Holiday. Et la fausse balle. Alors, c'est un réserviste qui tout se succédait. Ben ouais. En flèche, est-ce que c'est assez haut? Non. Non. Septième retrait. Très loin dans la gauche. Deuxième circuit pour Matt Holiday. Oh, c'est son frère qui a un pratique au bâton. Le frère va être content. Oh! Wow! C'est le plus long jusqu'ici. Oui. 469 pieds, Roger. Je pense qu'on se bat pour la deuxième place, hein, Denis? Ça, c'est assez loin, oui! Ça, c'était en flèche dans la gauche, en fait, 13. En fait, les faits avec 469, les autres comptent pas. Oh, Will Clark, lancé des Giants, puis... Will the Thrill. Ouais. Ancien premier but des Giants. Grosse balle. C'est plutôt belle frappée en flèche pour un retrait, 9e retrait. Quel frappeur. C'est Siri contre les Cards. Quand tu parles d'un joueur intense, un joueur qui était là pour jouer. 9 retraits, 13 circuits. Non, non, il est passé sous la balle. Pour un total de 13. Alors, il est en très bonne position pour accéder à la finale. Matt Holiday des Rockies du Colorado. Donc, toute une performance en deuxième ronde. Balle frappée en flèche, mais son coup de circuit là, à 469 pieds du map. Incroyable! Circuit en carrière pour Holiday, mais démontre beaucoup de puissance ce soir. Surprenant qu'il n'a pas plus de circuits au Coors Field. Oui. Lorsqu'on regarde 15 circuits, mais 341 de moyenne, 30 doubles avec les Rockies depuis le début de la saison. Les anges, enlève ses anges de là, va chercher la balle en avant. Excellent transfert de la main. La main qui continue avec le bâton. Tu sais, quand tu vas chercher une balle à longue balle, il faut que tu retrousses la balle. 8 circuits en deuxième ronde. 139 pieds, son plus long 475 pieds. Maintenant, ce sera Alex Rios des Blue Jays qui lui en a frappé 5 en premier ronde. Alors, Rios,
Vladimir et Pujols, les trois autres participants en deuxième ronde en demi-finale. Okay. Was it to see the wall this time of day? You know, it was a little bit tough. It was tougher than I thought it was going to be. I heard some guys say that the shadows were playing a little, you know, playing some tricks. And I mean, it kind of messes with your depth perception a little bit when you're up there. So it's, you can see it, but it's like you're not really sure how far it is or how close it is to you. Some players really worried that if they get into something like this, it'll mess their swings up later in the season. Did that happen at all to you last year? No, not really. You know, I've always said it's two different things where, you know, you stand out there, a guy's throwing about 40 miles an hour, and, you know, you're just trying to hit home runs. But, you know, when you get back into the swing of things, facing guys throwing 90-plus with curveballs and everything, you know, the thing is just getting your timing back. You feel right now that you're headed for another great second half? I'm hoping so. You know, I wanted to come out and participate in the Derby, just come out, be loose, have fun, and, you know, watch some guys hit some home runs, and just going to the second half with a new mindset, renewed kind of vigor, just feeling refreshed and just going out there and playing. The Phillies have been through 25 pitchers already this year. Can you get enough pitching to catch the Mets and Braves? I want to cough. You know, hopefully the guys that we have can just step up. You know, whatever the guys in front office decide to do, hopefully it'll be the right moves to help us sugar made better. But, you know, whoever's out there on the field is who you got to go with. So those guys, whoever we got that's out there, we're going to stand behind them and try to win games. Brian, thank you very much. Voilà donc pour les commentaires de Ryan Howard des Phillies. Mentionnait l'an dernier, ça ne l'a pas dérangé, lui. Ça n'a pas dérangé son élan. Il a frappé une grande circuit en deuxième moitié. C'est très différent. La pratique au bâton, un lanceur qui lance à 50 000 à l'heure, ce n'est pas du tout la même chose que lors d'un match. Alors, ça ne va pas lui vraiment de problème. Moi, Denis, aussitôt que ça va peut-être parler de mon commentaire. Là, la pratique au bâton, c'est orgueilleux. C'est la même chose. Les joueurs s'amusent à quoi? S'amusent à frapper la balle loin, loin, loin. Et concernant les Phillies, Peter Gammons lui demandait déjà 25 lanceurs utilisés par les Phillies cette saison. Posez pas de questions, pourquoi ils sont pas au premier rang? Il dit, on espère être en mesure de revenir en deuxième moitié. Ils sont à 4 matchs et demi du premier rang et des Mets de New York. Je les ai choisis pour gagner. Ils sont troisième derrière les Mets et les Braves. Alex Rios, 5 circuits en première ronde. En direction de Champ-Centre, est-ce que c'est assez loin? Oui! Rios, écoute bien, tiens l'élan. L'élan fluide. Premier retrait. Direction de Champ-Centre encore une fois. Et deuxième circuit au Champ-Centre pour Rios en deuxième ronde. Il n'a pas tiré la balle souvent. C'est surtout des balles, comme tu soulignes, Denis, au Champ-Centre. On a un troisième retrait. On a vu Roger Kevin Mitchell. C'est une valeur. Regarde. C'était tout un joueur de l'attention. Tu sais, son catch à main nue, quand il a mal jugé la balle, saisi de la balle la main nue. Quand tu regardes sa carrière, ça dit que les Mets, fait le tour qui est allé partout. Tout un joueur met son caractère. Vladimir est à son tour. Guerrero et Pujols encore à venir en deuxième ronde. En direction du champ gauche. Et non, la balle qui tombe dans l'allée. 5 retraits pour Alex Rios. Holliday en a frappé 8 en deuxième ronde, en a 13, c'est le meneur présentement. On a un 6e retrait. C'est difficile de frapper un circuit à cet endroit, Roger, on l'a vu tantôt, là, c'est au champ-centre droit, c'est très loin. Bien frappé dans la gauche. Est-ce que c'est assez loin? Oui! Oui! Il est rendu à 8. La petite voiture au champ gauche. Regarde, c'est en jeu. Là. C'est la clôture. Là. C'est pas, la balle n'est pas de l'autre côté. Là, c'est-à-dire la petite voiture.
Encore une fois, Valtteri Bottas en place pour un circuit. Alors 4 maintenant en deuxième ronde pour Alex Rios, 9 au total. Cette fois, c'est contre la clôture. 7 retraits. 13 homers for Holiday. This morning he was going to do this 13 home run so far. How have you gotten in a groove? It's been having a lot of fun. My brother throwing me good pitches and then trying to take good swings, trying to stay nice and easy, not try to do too much. Try to stay inside the ball and just let it fly a little bit. Of course, your brother's sitting right next to you, Josh, who's throwing to you. How special is it to have him on the mound and you're leading this thing? That's pretty cool. I mean, I wanted him to be part of it. Obviously, if I'd have known earlier, I'd have brought the guy that throws to me during the season. Better watch him, Joe. Mike Gallego, but they didn't tell me until this morning, so he's here, and I thought it'd be a neat opportunity for us to get out on the field together. Yeah, thanks. Boomer? Matt Holliday qui expliquait, étant donné que je l'ai su seulement ce matin, on m'a demandé ce matin, il disait, j'ai demandé à mon frère Josh, qui m'accompagnait au match des étoiles, de lancer la pratique au bâton, et je ne m'a pas amené. Et si je l'avais su d'avance, j'aurais demandé à notre lanceur de la pratique au bâton au Colorado, mais... Il est parti. Il est là, il remplace Cabrera blessé, alors c'est pour cette raison que c'est son frère qui... Mais ça fonctionne jusqu'à là. Écoute bien, il est en bonne combinaison. Il expliquait aussi que son frère, lui, lorsqu'il était jeune, les deux se lançaient la pratique au bâton. Là, soudainement, Rios, lui aussi, connaît une bonne séquence en deuxième ronde. Alors, ça en fait 7 en deuxième ronde pour Rios. Il est maintenant rendu à 12. On croyait que Holiday à 13 n'était pas gagné facilement. Alors, Alex Rios des Blue Jays avec 12 circuits. Il est passé sous la base cette fois, 9e retrait. C'est quand même assez loin, c'est de la piste des divertissements. Alors, 9 retraits, 12 circuits pour Alex Rios. 51 000 $ qui sont remis à une œuvre de charité. Là, on s'en va pour 17 000 $. Chaque coup de circuit sera réussi maintenant, avant le 10e retrait. Centre droit, c'est loin. Circuit dans la première rangée. Alors, c'est 13. Vient égaler Holiday. 8 circuits en deuxième ronde pour Alex Rios. Loin, loin au champ centre. Yes. À la gauche, est-ce que ce sera une fausse balle? Elle est bonne. Elle est bonne. Circuit, ça en fait 14 de justesse. Alors, on vient de prendre les devants. 14 coups de circuit. Alors, les deux suivants ont beaucoup de pression. À la gauche, oui, circuit, ça en fait 15. Le premier à réussir, 3 coups de circuit d'affilée. Et 10 en deuxième ronde pour Alex Rios. Willie McCovey. Le chasse out. Wow, quelle performance d'Alex Rios. 11e coup de circuit en deuxième ronde. Ce qui est surprenant, Roger, c'est son élan. Oui. Un élan très, très fluide, comme se soulignait tantôt. Là, c'est en flèche de la gauche. 12e pour Alex Rios en deuxième ronde. 17 au total. Quelle performance. Alors, finalement. Oui. 5e d'affilée. Le concours des circuits vient de débuter. C'est assez loin. Non, à la piste de l'avertissement, mais 12 pour Alex Rios en deuxième ronde. Il prend les devants, 17 au total. Toute une performance. Déjà, je pose la question, qui c'est qui fait là? C'est ça qui fait là. Il y en a 17. Regarde Vladimir qui vient te féliciter.
Ça promet pour les deux autres maintenant. 17-13 pour les meneurs. Mais les balles frappées de loin aux chansons, comme tu as souligné, Denis, avec puissance, élan fluide, soulève la balle. Pas des balles frappées en flèche, des balles soulevées. Alors, il y avait un autre frappeur de Porto Rico avec les Blue Jays qui était reconnu pour la longue balle. Carlos oui. Delgado maintenant avec les Mets, mais Rios qui avait plein la vue ce soir. Quel est son élan? Ses mains en arrière et là, soulevé. Le bâton. Lève, soulève le bâton, les poignets. Tourne les poignets, complète son élan. Aïe. Tu gardes ça, là, tu vois aussi comment frapper un coup de circuit. He told me he's breaking a little bit of a sweat. How did you get in a groove like that here in round two? I have no clue, telling you the truth. No, I just was throwing the ball where I wanted it, so I guess I was putting good fingers on the ball, so I guess that's the... And interesting enough, you didn't have a guy pitching to you when I was talking to you during BP. How did you pick Rafael Belliard? I was talking to Vladdy and Polanco, and they told me that Belliard threw a good BP, so I just chose him and went to the cage and saw a couple pitches, and that was good. Like how many minutes before this thing started up? Like 5 minutes before. Ah, there you go. That's all it takes. Thanks so much. Thank you. Boomer. Alex Rios, il dit j'avais pas personne pour me lancer pour le concours de circuit. Alors il dit j'ai parlé à Placido Polanco et à Vladimir Guerrero et on m'a suggéré Rafael Belliard. Alors 5 minutes avant la compétition, j'ai demandé à Belliard et ça fonctionne. Alors les deux qui n'avaient pas vraiment de lanceur pour le concours des circuits dominent présentement. Et dans le cas de Belliard, un coup de circuit en carrière. Alors, 17 pour Rios, 13 pour Holiday. Vladimir Guerrero, Albert Pujols encore à venir en demi-finale. Vous regardez le concours des coups de circuit en direct de San Francisco. Appel Jennifer. Affiché carte. 22 degrés. L'Acura TL, nouvellement perfectionnée, où la technologie améliore les performances, le confort et la vie. Derrière son volant, on ne s'ennuie jamais. Acura, loin, devant. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien. Car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. Et nous, obtenez des 1000 de récompenses Air Miles chaque fois que vous utilisez votre carte de débit BMO. Une exclusivité BMO, Banque de Montréal. Bonne nuit, M. Tremblay. Bonne nuit, Diane. Bonne nuit, le type qui flâne des heures dans mon bureau. Bonne nuit, le petit nouveau. Bonne nuit, la coquine au compte à recevoir. Bonne nuit, l'informaticien qui est jamais là quand j'en ai besoin. Bonne nuit à notre responsable des ressources humaines. Et bonne nuit, le monsieur qui... pour rien de toute la journée. Gardez le contact avec le bureau grâce à l'Internet haute vitesse gratuite dans toutes nos chambres. Un clic de souris suffit pour joindre le bureau. C'est comme ça que je faisais du feu il y a 1000 ans. Là, si vous voulez survivre dans la nature, c'est important que vous maîtrisiez cette technique-là. Oh, excuse. Lâche pas. Pour de l'énergie rechargeable partout où vous en avez besoin, choisissez le PowerPack Sound avec haut-parleur intégré ou le PowerPack Solar pour une plus longue autonomie. Tous deux sont idéaux pour vos appareils électroniques favoris. Les solutions énergétiques commencent chez Canadian Tire. Ça nous donne un petit peu. C'est ça. Appel Jennifer. Affiché carte. 22 degrés.
La cure ATL, nouvellement perfectionnée. Où la technologie améliore les performances, le confort et la vie. Derrière son volant, on ne s'ennuie jamais. Acura, loin, devant. Alors, sur nos ondes de la classique John Deere, samedi, 22h30, la troisième ronde, c'est en provenance de Silvis, en Illinois. Alors, samedi, 22h30, la classique John Deere, le golf de la PGA sur les ondes de RDS. Alors, on a vu, regarde le chantois maintenant. Tout à l'heure, il y avait des centaines de personnes qui venaient capter une balle. Là, ils sont partis. Bye bye. Ouais, non, on a décidé que c'était terminé puisqu'il n'y avait plus de frappeurs gauchers en deuxième ronde. Des circuits dans les majeurs à la mi-saison. 1218 dans l'américaine, 1371 dans la Ligue nationale. L'équipe qui a frappé le plus grand nombre de circuits dans l'américaine, les Indiens de Cleveland, en ont 109 jusqu'ici. Et ce sont les Reds de Cincinnati qui dominent dans la nationale avec 128 circuits pour les Reds. Alors, les meneurs à la mi-saison dans les majeurs. Les Indiens qui sont à un match seulement du premier rang dans la division centrale. Et des Tigers de Détroit. Alors que les Reds, on sait, avaient la pire fiche de la Ligue nationale. Ils ont congédié leur gérant. C'est Pete McCannon qui est maintenant le gérant. Moi, je suis d'accord. On a terminé avec 4 victoires de suite au match des étoiles chez les Reds. On a vu Pete chez les Expos à l'époque comme entraîneur au troisième. C'était un bon connaisseur de baseball. Puis Pellet de Pittsburgh a fait du bon travail. A eu du succès dans les mineurs. Avec les Lynx. Je pense que son tour est venu. Je pense qu'il a de faire quelque chose. Vladimir Guerrero et Albert Pujols, nos deux derniers participants en deuxième ronde. Alors, Vladimir a besoin de 8 circuits pour égaler Matt Holliday. Alors, Holliday en a 13, Rios en a 17. Un retrait. Bien frappé. Non. Dans la clôture. Allons voir si on lui donne le circuit ou on dit que c'est un retrait. Parce que le spectateur, on n'a pas encore décidé si on lui donne un circuit ou si c'est un retrait. Voilà la reprise vidéo. C'est le bord. Alors, c'est retrait. Alors, 3 retraits pour Vladimir. Quatre retraits pour Vladimir. Alors, je vais encore une fois. Un autre angle maintenant. C'est difficile à dire. Alors, on a déclaré que c'était un retrait. Là, c'est bien frappé. Premier circuit pour Vladimir Guerrero en deuxième ronde. Chance. Et là, Albert se prépare. Pujols, tu vois que les joueurs sont sérieux, par contre. Ouais. Hein? 464 pieds, le dernier circuit de Vladimir. Cinquième retrait. Alors, il a besoin, Roger, encore de 6 circuits pour égaler celui qu'on aperçoit, Matt Holliday. Hello. Est-ce qu'il est en jeu?
Est-ce qu'il est en jeu? Circuit très loin dans la gauche. Toujours 5 retraits pour Vladimir, deuxième ronde. Vladimir s'en veut. Oui. Avec un dépassé un tir qu'il avait. Là, il soulève un ballon pour un sixième retrait. Well, my thinking was because Russ had just gotten scalded the time before that, his last start against him. And to me, they might have taken it as a game. Right. I thought the game was over. There's no way you think that the game is over. Actually, I was. Wow. Circuit s'en fait 4 en deuxième ronde et 9 au total pour Vladimir Guerrero. Et cette fois, c'est trop haut, pas assez loin dans l'allée de gauche. Mais c'est... contre la piste d'avertissement. Alors, 7 retraits pour Vladimir Guerrero. Il a besoin de 4 circuits pour égaler Matt Holliday. Sinon, Vladimir sera éliminé. En flèche dans la gauche. 10e pour Vladimir. Oh, il a tiré à droite. Oh! Dix circuits, 7 retraits. 3 autres pour égaler Holliday. And this one's got to be close. He's got 10. That last one, 474. 474 pieds dans les coups de circuit. 8e retrait. 10, vous n'atteignez au moins 13. Le dernier participant sera Albert de Pujols. Huit retraites, 10 circuits. Mais quand je regarde Vladimir, là, ça c'est Vladimir qu'on voyait en République dominicaine. Pas de casquette, pas de gants. Pas de gants. Puis on y va. Chose qui marche pas, hein. Vladimir! 11 pour Guerrero. On a besoin de 2 pour égaler Holliday. Il va un peu... Je crois qu'il a besoin du ruban pour un de ses doigts. Et là, son chose, il n'y a pas une ampoule. Pas une ampoule à mon frappeur. Ouais, c'est ça. Il semble ennuyé par une ampoule à l'index de la main droite. José Reyes des Mets. Carlos Beltran. On circuit, 8 retraits pour Vladimir Guerrero. Très loin, dans la gauche. Quel est loin! C'est des coups de canon loin, là. Toujours 8 retraits. Est-ce que oui ou non? Parce qu'il est assez fort. À la ligne gauche. Non. Contre le mur. Contre la clôture. Alors, c'est 9 circuits. 9 retraits, pardon, 12 circuits. Ça y apprend un autre pour égaler Holliday. Deux pour passer devant Holliday. Bon, là, il va mettre
mettre du ruban parce qu'il est allé vers une blessure à l'index et la main droite. Est-ce que oui ou non il est égal à Holiday sur le prochain tir? Bien dégagé, Holiday! Oh, maintenant il peut le devancer! 13 circuits pour Vladimir Guerrero, 8 en deuxième ronde, tout comme Matt Holiday. Another gold ball for 17,000 from State Farm Insurance. Contre le gars, Vladimir, Holiday, bonsoir, il est parti. Oh, quel est à loin. 9 en deuxième ronde pour Vladimir Guerrero, 503 pieds, Roger. Ça, c'est le plus long de la soirée. Oui, le plus long. Wow! Quelle performance en deuxième ronde! On a vu Holiday, lui. On voyait que ça allait en finale. Et voilà le dernier retrait. Mais Vladimir Guerrero avec 9 circuits en deuxième ronde, en a maintenant 14. Et il est en bonne position pour accéder à la finale. Avec Albert Pujols, le dernier qui a tenté de devancer Guerrero en demi-finale. Quelle performance de Vlad! Regarde son élan! Regarde ses yeux, ses yeux! Oh, quel est loin! Oh, que Vlad l'a frappé! 503 pieds! La balle a failli de rendre le gant au champ centre gauche. Faut pas oublier, c'est la balle donnée. Frapper la balle donnée avec puissance de même, faut le faire. Oui, parce que c'est vraiment le frappeur qui génère toute la puissance, parce que le tir arrive à une cinquantaine de milles à l'heure. On regarde les coups de circuit. Pas croyable. 17 pour Rios, 14 pour Guerrero, 13 pour Matt Holiday. Holiday est éliminé. Alors, Albert Pujols aura besoin, lui, de 10 circuits. Pas facile. Écoutons maintenant Willie McCovey. I feel like being the only man with an ocean named after you. Well, it's quite an honor. You know, when they asked me if I would agree to having it named after me, little did we know it was going to take off and be as big as it is. So, you know, it's just quite an honor. Is it fun for you to see so much excitement here in San Francisco in this ballpark? Well, this is great. I'm just glad we're able to showcase this ballpark because we're all proud of it here, and we think it's the best in the country, so now the whole world can get to see it. Now, did you ever get to play home run derby in your career? I did. It was nothing like this, though. You know, we only had like 10 swings, and that was it. And Willie Mays used to win them all. He would hit about 8 out of the 10 and walk away with the prize. But what about now? Would you love to have been able to participate in something like this in this ballpark? Well, Vinny, you know, I thought I was strong, but these guys are really strong. So I don't know if I can keep up with them. Well, I saw you hit. You could, Willie. Now to Aaron Andrews.
Peter, thanks so much. Well, in 1996, the Players Trust, which is geared towards volunteerism, and with that, Players Trust has established Action Team. I'm here right now with J.J. Putz with the Mariners. You're part of the Seattle Action Team. What is this really all about? It's basically just Major League Baseball players getting together with high school kids in their area and encouraging them to go out and recruit some volunteers to help out in their community. And you know, we're proud to say that right now we have over 9,000 high school kids throughout the country helping out over 38,000 people, and it's a great thing. J.J., why was there a need for this? Well, I think it's always important to give back into the community as athletes, but then, you know, to find these high school kids that are so willing to donate their time, you know, away from studying and things like that to help out, you know, older people in their community, it's just a great thing. All right, well, thank you so much for your time. Let's send it back over to Boomer. Alors, je peux résumer un petit peu les propos de... D'abord de Willie McCovey. Willie McCovey dit, lorsqu'on m'avait demandé, il dit, on voulait surnommer ça McCovey Cove derrière la clôture au champ droit, et je pensais pas que ça deviendrait aussi populaire que ce que c'est devenu. Bien. On a vu la statue de Willie McCovey derrière la clôture au champ droit. Et Nate Mosselet, il avait déjà participé à des concours de circuit, mais il dit, c'était pas comme aujourd'hui. Il avait seulement 10 élans. Ouais. Ils habituellement, Willie Mays frappait 8 circuits en 10 élans. C'est aujourd'hui qu'il gagnait. Le concours. Le samedi après-midi, je me souviens ça à CBS. Home Run Derby. Et Aaron Andrews a interviewé J.J. Putz, le releveur des Mariners de Seattle, qui a parlé de l'implication des joueurs dans un programme avec des enfants d'âge secondaire. L'implication des joueurs à l'extérieur du terrain. Alors, Albert Pujols, le dernier en deuxième ronde. Et Pujols, à 4 circuits en première ronde, en a besoin de 10 pour égaler Vladimir Guerrero. Là, j'écoute, là, tranquillement, votre homme McCovey qui parle. Moi, j'essaie de comprendre comment cette organisation-là n'a pas gagné plus de championnats. Juan Marichal, Willie Mays, McCovey, les frères Alou. Cepeda, Hart au premier but, McCormick, lanceur gaucher. Comment ça se fait qu'ils ont gagné son ancien Série mondiale seulement une fois avec cette équipe-là, puis ils sont vavettes par les Yankees? J'essaie de comprendre, je suis pas capable. Pas capable de penser. Tu sais, quand tu écoutes les joueurs comme Dusty Baker qu'on voit à l'écran, Joe Morgan, ils n'ont pas peur de dire, le meilleur joueur de baseball comme moi, le meilleur que j'ai vu, c'est Willie Mays. Je n'ai pas vu d'autres de même. Mais c'est incroyable que cette équipe n'a jamais gagné. Oh! Kenny Mayne a quitté son kayak. Il est maintenant dans les estrades au champ gauche. Alors là, il est dans la première rangée au champ extérieur de la gauche. The glove, well, you saw how the glove was used in softball, I do believe. Oh, yeah, there you go. Hey, Kenny, is that a flak jacket you got on? Because those balls can scorch out there over the fence. I didn't hear anything you just said, but every homer will blow this whistle. Hey, Kenny, you better go up a few steps. I think where those balls are going out of the ballpark. It's tough. Albert Pujols. Alors qu'on aperçoit Tony La Russa, gérant des Cards, gérant d'Albert Pujols et le gérant de la Ligue nationale pour le match des étoiles. Alors, Pujols qui a battu Justin Morneau, on a eu droit à un swing-off. Ouais. On avait 5 élans, Pujols et Morneau, pour avancer en deuxième ronde. Et c'est Pujols qui a eu le meilleur avec 2 circuits. Dans la gauche, et Albert Pujols amorce la deuxième ronde avec un circuit loin dans la gauche. Très loin. Dans le territoire de Vladimir. En voilà un deuxième. Ça vient en fait 6, gars. Encore à l'intérieur. Est-ce que ce sera une fausse balle? Non, circuit. Trois d'affilée.
La Rousseau qui a du sourire. Moi, j'ai vu ça longtemps, la pratique au bâton. $457 pieds, le dernier circuit d'Albert Pujols. On a le premier retrait. Dave McKay, c'est peut-être un des instructeurs qui a donné le plus de circuits lors des pratiques au bâton. C'est lui qui lançait à Mark McGwire. Et à Jose Canseco. Avec Oakland, il était là aussi. Ensuite, a suivi McGwire à Saint-Louis avec Tony La Russa. On a donné des circuits dans de la pratique au bâton. Très bon point. J'ai pas pensé à celle-là. Deuxième retrait. Alex Rios de Meneur avec 17. Vladimir en a 14. Pujols est rendu à 7. Troisième retrait. Ça lui en prend 8 maintenant pour avancer. Quatrième retrait. Retire-toi, Lou. Retire-toi, Big Pou. Quatre retraites pour Albert Pujols. Sept circuits au total. Aïe, aïe. Cinquième retrait. Aïe, aïe. Sixième retrait. Et là, Pujols va quitter le rectangle des frappeurs. Six retraits, sept circuits. On a besoin de sept pour égaler Vladimir. C'est loin, dans l'allée. Oui. Oh, ah, qui est fort. Ah, oh, qui est fort. Il y en a 4 jusqu'à date dans cette ronde. Il ne faut pas oublier, c'est 14 pour égaler Vlad. Il y a 6 retraits. Peu trop haut pour Pujols qui veut le tirer à l'intérieur, mais pas aussi haut. Voilà, ça c'est l'endroit où il voulait le tir. Ah oui. Ça fait 5 en deuxième ronde, 9 au total pour Vladimir Guerrero, alors qu'Alex Rios en a 17 et Vladimir en a 14, alors Pujols avec 9 maintenant. Là, on a besoin de 5. Puis il reste 3. 4 retraits. Ouais. Non. Septième retrait. Trop. Et la réaction du frappeur, tu sais. Ouais. Je te dis, j'ai peur de voir les enfants. Je ne sais pas pourquoi ce soir, là, de dire. Loin dans la gauche. Grosse balle. Un crochet de gauche. Alors, 8 retraits maintenant. Ça, c'est le gros drapeau. Il y a des drapeaux pour chaque pays, lui. Huit retraits, 9 circuits pour Albert Pujols. Deuxième ronde. Ce sera un 10e circuit pour Albert Pujols. Albert, Albert, Albert!
357 pieds. Deux retraits, ça y prend quatre circuits. Pour égaler Vladimir Guerrero. Avec quatre circuits, il passe en finale face à Alex Rios. Rios qui en avait frappé 26 en 2003 à Chicago, dont 14 en demi-finale. Il avait perdu en finale 9 à 8 oui. face à Garrett Anderson des Angels. Damn it. Passé sous l'œil, il reste du grand espace, Denis. Neuvième retrait. Faut qu'il en frappe trois d'affilée. Trois, il m'a dans un pipe, on va aller dans mon kit. Alors, trois pour égaler Vladimir. Neuf retraits pour Albert Pujols. À la gauche. Circuit, ça en fait 12. Et en prend deux autres. Vladimir en a frappé 9 en deuxième ronde. 14 au total pour Vladimir. Pujols en a 8 en deuxième ronde. 12 au total. Le meneur est Alex Rios avec 17, dont 12 en deuxième ronde. Pour Pujols. Le Pujols attend. Loin dans la gauche. 13e pour Pujols. Là, on a vu la réaction de la Broussoff. Et de Vlad. Vladimir est inquiet sur les box. Le prochain tir. Est-ce que oui ou non, il est gagné Vlad ou bonsoir, Albert, tu es parti. Ladies and gentlemen, he needs one more. Let's get out. Let's get out with the club. 9 en deuxième ronde pour Albert Pujols. En a 13. Un autre est illégal, Vladimir Guerrero. On oublie qu'il y a de la pression sur le lanceur également. Oh, il lance des prises. Il effectue des bons tirs. Oh! C'est assez loin. Dans la gauche. Très haut. Non! À la piste de l'avertissement pour le 10e et dernier retrait. Bonsoir, Albert! Bonsoir, Albert! Vlad est là! Tu vas passer un second atrás de Rio. Atrás de Rio, oui. Quelle fin! À peine un pied! Alors, en finale, ce sera Alex Rios et Vladimir Guerrero. 13 circuits pour Pujols. Il est éliminé en deuxième ronde. Quel spectacle dans cette deuxième ronde! La première ronde, ce n'est pas grand-chose, Denis. Mais Vlad, passe, il met à frapper! Et ensuite, Pujols, rate sa victoire par peut-être un pied. Son fils, ça. Alors, Albert Pujols, malgré ses 9 circuits, est éliminé. Et en grande finale, on va retrouver Alex Rios des Blue Jays et Vladimir Guerrero des Angels.
Deux joueurs de l'Américaine qui passent en finale. Le di ahí, mira. Walbert, tú estás ranqueado, tú. Este hombre te Le di ahí. Alors voilà. Alex Rios avec 17 et Vladimir Guerrero, 14 circuits. Ce seront nos deux finalistes pour le concours des circuits 2007 à San Francisco. Rios qui en a frappé 12 en deuxième ronde. C'est le sommet jusqu'ici. Et Vladimir en a frappé 9. Alors une finale qui promet. Guerrero et Rios en grande finale. Vous regardez le concours des circuits en direct de San Francisco. Enfin, la série Bush de NASCAR fera vibrer ses moteurs à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve les 3 et 4 août prochains. Participez sur rds.ca au concours Le Grand Weekend Dodge NASCAR. Courez la chance de gagner l'une des 25 paires de billets pour assister aux courses. Il y a aussi le Grand Prix. Deux passes VIP pour assister au week-end NASCAR Napa pièce d'auto 200. Comprenant l'hébergement et la location de 2 ans de ce super Dodge Ram. Et je me ferai le plaisir de vous remettre les clés en personne. Venez me voir courir durant le Napa pièce d'auto 200. D'une ère nouvelle. Gatorade Rain. Un torrent de fraîcheur quand les éléments se déchaînent. Plus frais que nature. Gatorade Rain. Attachez vos ceintures. Les bolides s'en viennent. NASCAR Coupe Nextel à RDS. Bonne nuit, M. Tremblay. Bonne nuit, Diane. Bonne nuit, le type qui flâne des heures dans mon bureau. Bonne nuit, le petit nouveau. Bonne nuit, la coquine au compte à recevoir. Bonne nuit, l'informaticien qui est jamais là quand j'en ai besoin. Bonne nuit à notre responsable des ressources humaines. Et bonne nuit, le monsieur qui fout rien de toute la journée. Gardez le contact avec le bureau grâce à l'Internet haute vitesse gratuit dans toutes nos chambres. Un clic de souris suffit pour joindre le bureau. Cet été, pas de vacances pour Sport 30. Votre bulletin de nouvelles favoris s'occupe de vous faire profiter au maximum de la belle saison. Bienvenue à cette présentation de Sport 30. Et quelle saison! Tous les jours, on analyse de près l'actualité sportive pour vous livrer des points de vue éclairés, entrecoupés de reportages de fond. Toute notre équipe sera fidèle au poste. Seul un œil averti verra une légère différence. Sport 30, la référence sportive au Québec, même l'été. Eh oui, je l'ai vu, je l'ai fait. Bruce Willis. C'est tout ce que t'as. Et John McClane. Vie libre ou crève. Présentement à l'affiche. Y a-tu quelqu'un qui a vu Simon? Lève la bosse. Faudrait laver la caravane. C'est parti. Le rabais prix employé est de retour. Quand vous achetez ou louez un nouveau véhicule Chrysler Jeep Dodge sélectionné, vous obtenez un rabais prix employé et une carte d'essence qui vous fera économiser 20 sous le litre pendant un an. Seulement pendant l'événement rabais prix employé. Les meneurs pour les circuits dans la nationale cette saison, Prince Fielder avec 29 devant Adam Dunn et Ken Griffey des Reds. Dunn 24, Griffey 23, Ryan Howard en a 21. Miguel Cabrera, 18. J.J. Hardy des Brewers avec 18. Et Barry Bonds avec 17 circuits pour les Giants de San Francisco. Demain, on verra Fielder, Griffey et Barry Bonds lors du match des Étoiles demain soir. Regardez-moi, là, on peut dire ce qu'on veut de Bonds, mais il s'en va là pour la tête entre les deux jambes ou le en arrière, la porte arrière. Non. Il y a 17 coups de circuit. Parmi les meneurs, tu sais, des fois, tu vas en avoir 17, mais maintenant, on a 42. Tu sais, des fois, mais non, il y a 29 de meneurs. Je regrette, il est là, là. Vladimir Guerrero avec le plus long circuit ce soir, 503 pieds. Devant Ryan Howard, Matt Holliday. Guerrero en a deux autres parmi les plus longs. Les meneurs pour les circuits dans l'Américaine, A-Rod en a 30. Alors, c'est intéressant toute première moitié. Oui, on sait intéressant si Morneau va pas le dépasser. Ouais. C'est que la première moitié qu'il a connue, Rodriguez... Il devrait avoir un petit ralentissement. Oui.
Mordeau à la 24. Sheffield, on oublie Gary Sheffield, mais c'est une très bonne acquisition pour Détroit. Les Tigers de Détroit. Tampa Bay, Carlos Mais Peña s'est promené, puis Carlos Peña, on l'avait vu avec les Tigers, avec les Rangers. Et là, finalement, semble débloquer à Tampa Bay. Torrey Hunter, 19. Paul Konerko, 18. Et Rios en a 17. Konerko, 18 coups de circuit, mais frappe pas du tout. Sa moyenne n'est pas là du tout, du tout, du tout. Alors, Vladimir Guerrero et Alex Rios, les deux, en grande finale, c'est Rios en premier. Alors, jeune voiture portoricain des Blue Jays de Toronto contre Vladimir Guerrero en grande finale. 5 en première, 12 en deuxième, un total de 17 circuits pour Alex Rios. Et là, on recommence à zéro. Oui. Non, on efface ce qu'on a fait et on recommence à zéro en finale. Alors, demain soir, 20h. C'est le baseball RDS, le match des étoiles, donc, entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Les lanceurs partants, on vous le rappelle, Jake Peavy des Padres de San Diego, Dan Haran des Athletics d'Oakland. Donnons crédit à Leland qui n'a pas favorisé les lanceurs des Tigers. J'y aurais pu. Premier retrait pour Alex Rios. Deuxième retrait. Ce qui arrive, par contre, quand tu as eu tellement de coups de circuit, ça vient vous de voir, mais c'était bien fatigué. En flèche dans la gauche, troisième retrait. Toujours 10 retraits. No utilizas guantes esta noche como ha sido tradicional en tu carrera, ¿por qué? No, nunca lo he usado, yo creo que me siento bastante bien y lo que me pasó ahorita es que uno de los... ¿Has visto que por Rios? He says he never used gloves, he feels much better without his gloves and he had a problem with his tape in the finger only. I'm going to ask him now, how is that finger exactly? Vlad, ¿cómo va ese dedo? No, está bien, lo que pasa es que se me raja un poquito, por eso que uso tape para poder hacer así. Pero el dedo está bien. Está bien, todo bien. He says no problem, the finger is good, he's not feeling pain, it was only the problem with the tape. And last question for Vlad Guerrero, have you ever hit a home run like that, 503 feet? ¿Alguna vez, Vlad, te acuerdas haber conectado un cuadrangular como ese de 503 pies? No. El que más llegado fue 502 en Montreal. Gracias, Vlad. He says he remembers one 502 feet in Montreal. But it was the closest. Back to you guys. Vladimir qui se souvient de son circuit à Montréal de 502 pieds. Ça, c'était en saison régulière contre Mike Hampton des. Et à l'ouest. Oh, la misère, Alex. Alex Rios est rendu à 6 circuits. 6 retraits, pardon. 2 circuits, 6 retraits pour Alex Rios. Vladimir attend son tour. Septième retrait, là. Rios, là, je pense que tu soulevais un bon point tantôt. L'élément fatigue, là. Il y a eu quand même une longue pause aussi pour Rios, parce que Rios, c'était le premier des demi-finalistes. Ouais, fait une heure, là. Alors, deux circuits, 7 retraits, Alex Rios des Blue Jays en finale. 8e retrait. Il met une bonne séquence, celui-là. Où Vlad va réellement mal aller. L'an dernier, Ryan Howard avait gagné 5-4 en finale devant David Wright. C'est
ce ne sont pas toujours de très de plus grand nombre de circuits en finale. 5 à 4 en 2004 également pour Miguel Tejada face à Lance Berkman. Kevin Mitchell qui peut être raté par la balle. Deux circuits, neuf retraits, Alex Rios. Vladimir s'approche. Et voilà, terminé pour Alex Rios. Alors seulement deux circuits en finale. Donc Vladimir Roger est en très bonne position. Mais c'est pas bien, s'il ne gagne pas, il y a réellement dans le trouble aussi. Alors Vladimir Guerrero aura besoin de trois circuits seulement pour remporter le concours des coups de circuit 2007. Alors ça c'est un de ces deux circuits. Alors c'est intéressant maintenant de voir les performances de Vlad qui n'a besoin que trois coups de circuit pour remporter le concours des coups de circuit. 5 en première ronde, 9 en deuxième, 14 au total pour Vladimir. On recommence à zéro, donc il a besoin de 3 circuits seulement pour remporter le concours des coups de circuit. Alors, deuxième fois qu'il participe au concours des circuits, Vladimir Guerrero. Et il a besoin de 3 circuits pour être le champion 2007. De retour dans quelques instants à San Francisco. Appel Jennifer. Affiché carte. 22 degrés. L'Acura TL, nouvellement perfectionnée, où la technologie améliore les performances, le confort et la vie. Derrière son volant, on ne s'ennuie jamais. Acura, loin, devant. Vous venez flinguer un hélicoptère avec une voiture? J'avais plus de balles. C'est tout ce que t'as! Vie libre ou grève, présentement à l'affiche. C'est souvent le toucher le plus léger qui crée la sensation la plus intense. Le nouveau thé blanc glacé Lipton vous apporte le goût le plus léger que vous ayez jamais dégusté. Tout en vous offrant toutes les qualités exceptionnelles du thé. Plus et moins à la fois. Lipton, le thé peut faire ça. Parce qu'au milieu du troisième quart, on est aussi à la fin de la deuxième demi, au troisième set, au 16e trou, au dernier tour, en troisième période et en 9e manche. Tous les sports, tous les scores, RIS Infosport, le réseau des scores. Obtenez des 1000 de récompenses Air Miles chaque fois que vous utilisez votre carte de débit BMO. Une exclusivité BMO, Banque de Montréal. Notre nouvelle cuisine. Wow! Et oui, les armoires qu'on a remplacées de type Montana avec porte-à-vitre clair. Le comptoir noir, 93% quartz, 7% résine et... La céramique murale, tellement facile d'entretien. Et voilà! Vous changez vos électros? Économisez 10% sur les grandes marques comme GE et Maytag. Home Depot, c'est beau. De retour à San Francisco pour le concours des circuits édition 2007.
Alors, Vladimir Guerrero a besoin de 3 circuits seulement, Roger, pour remporter ce concours des circuits. Alors, on avait mentionné le cas de Vladimir Guerrero au début du reportage. Oui. C'était sa deuxième fois. Il serait sans doute plus à l'aise. Il a frappé 2 seulement la première fois. Alors, la seule autre fois qu'il avait participé au concours des circuits, c'était en 2000 au Turner Field à Atlanta. Et après une première ronde où il en a frappé seulement 5, a été impressionnant en deuxième avec 9. Alors, demeurez avec nous immédiatement après ce concours des circuits. Frédéric Plante sera là avec Sport 30 dans ce lundi soir. Alors, d'ici une dizaine de minutes, on devrait avoir un nouveau champion du concours des coups de circuit à San Francisco. Un des plus beaux nouveaux stades. Ah, il est tellement... Dans les stades... Et bien nouvelle, situé. Nouvelle version. Très bien situé. Tu bords de la baie, tu t'en vas là, tu peux y aller. Tu pars du centre-ville, tu peux aller à pied. C'est très différent du Candlestick Park. Ah non, Candlestick Park, écoute pas bien, là. C'était le bout du monde, ça. C'était le bout du monde. C'était beaucoup plus venteux, beaucoup plus froid également au Candlestick Park. Alors, Vlad. Trois circuits, il est le gagnant. Alors, Vladimir Guerrero. Premier élan, balle frappée. Loin dans la gauche. Premier circuit pour Vladimir Guerrero. Ça y en prend pas beaucoup, là. Je pense que ça sera pas trop long, Roger. 3-4 élans et ce sera terminé. Un gros bébé qui s'amuse. Pas de cap, pas de casquette. Ah oui, elle est là. Le premier retrait en flèche dans la gauche. Un retrait, un circuit pour Vladimir. Son équipe au premier rang dans l'Ouest, les Angels. On pourrait les revoir en série cette année, les Angels. Avec une priorité de 2 matchs et demi sur les Mariners de Seattle. Les Mariners, même avec le départ de Hargrove, continuent à bien jouer. Retrait au ballon, deuxième retrait. Rios en a frappé 2. Il dit, écoute bien, là, il est jusqu'à date. Là. Ah. Troisième retrait. Mais il s'amuse, un vrai bébé. Ah, flèche de la gauche, non, contre la clôture. 4 retraits, 1 circuit. Oh. C'est assez loin. Oui! Première rangée. Un spectateur très heureux. L'égalité. La balle en flèche. Alors, 2 circuits, 1 autre, et ce sera le champion. D'après moi, il faut qu'il se rende à 10 pareil pour la balle de Golden Ball. Je pense pas, Roger. Non. 4 retraits, 2 circuits. Très haut. Et ce sera pas assez loin. À la piste de l'avertissement, 5e retrait pour Vladimir. Et Léo, c'est rire. 5 retraits, 2 circuits. Amazing Guerrero steps back in. No.
devient intéressant. Soudainement, tu sais. Alors, on a pas l'air. Deux circuits, six retraits. C'est un septième retrait. Herio, Siri est deux. Trois élans. Vladimir se retire. A toujours besoin d'un circuit pour remporter ce concours des circuits 2007. Vladimir Guerrero remporte le concours des circuits 2007. Vladimir! Le champion du concours des coups de circuit. Vladimir Guerrero à sa deuxième participation au concours des circuits remporte avec un total de 17 circuits, 5 en première ronde, 9 en deuxième et 3 en grande finale. Alors 17 circuits au total et il remporte la finale 3-2 face à Alex Rios des Blue Jays de Toronto. Alors performance impressionnante de Vladimir ce soir, surtout en deuxième ronde, Roger, avec son circuit de 503 pieds. Et quand on regarde la deuxième ronde, Denis, ça se présente, frappe 9 coups de circuit, dont 4 sur 5 tirs. Il faut le faire. Alors voilà donc, champion 2007 du concours des coups de circuit à San Francisco, Vladimir Guerrero. On vous rappelle, demain soir, on sera là pour le match des étoiles à compter de 20h en direct du AT&T Park à San Francisco. Jake Peavy sera le partant de la Ligue nationale et Dan Haran du côté de la Ligue américaine. Vladimir Guerrero est le nouveau champion des coups de circuit. Merci d'avoir été là. Dans quelques instants, Sport 30. Ont déployé leur défensive de fer pour s'assurer d'une place dans l'histoire sportive de leur pays.